2025. Dans le silence complice de ma chambre, tout est calme, tout est mort. C'est la nuit, c'est l'ennui. Il n'y a pas âme qui vive. Une petite ampoule, solitaire, creuse l'obscurité. Je retrouve un confident, un vieil ordinateur d'il y a 20 ans. Je le branche, machinalement. Il ronronne, toujours vivant. Et je retrouve, en fond d'écran, une amante, Sibylle. Comment ai-je pu t'oublier? Des photos, des poèmes, la tornade, Sibylle. Combien de morts déjà? Mais c'est comme si j'y étais. Et à propos de signes de vie, je devrais bientôt vous causer à un moment ou à un autre de Mélodie. Mélodie. Mélodie, c'était un des axes de toute ma quête. Mélodie m'a fait un drôle de coup. Un coup un peu étrange, un peu bizarre, un peu tordu. C'est pour ça que je dois rester prudent. Et vous verrez bientôt pourquoi c'est si important pour moi, en ce moment précis, de savoir si Elodie est sincère et honnête. C'est vital aujourd'hui. Elodie, après m'avoir donné un espoir fou, m'a laissé plus de 4 mois sans nouvelles. Elle devait faire la tournée des Grands-Ducs. Et puis, je suis arrivé sur sa liste. C'était mon tour. Et là, j'ai dû passer des examens d'étape. Elodie, après 4 mois, me confirme son accord au téléphone pour une promenade. Rendez-vous est pris, mais nous oublions de fixer le lieu et l'heure. Je lui envoie par mail, mais elle reste injoignable. Et la veille du rendez-vous, je suis anéanti. Je suis totalement persuadé qu'elle m'aura posé un lapin. Au tout dernier instant, le jeudi à 11h du matin, Elodie me téléphone. Nous avons rendez-vous à Olanzac, à midi. Elodie est une femme comme on voit les femmes d'aujourd'hui, très sollicitée, méfiante. Elle met en équation les hommes qui pourraient les intéresser. Celui qui vient sur sa liste a de quoi se faire du mouron. Il va être analysé, sondé, disséqué, examiné, étudié sous toutes les coutures. J'ai pourtant passé une formidable journée. J'étais sous le charme, amusé, détendu. Elle a jugé utile de renouveler l'expérience. Et bien sûr, elle n'a pas dit quand. Mais j'ai eu un mail très vite, et c'est déjà beaucoup. J'ai maintenant des photos d'elle pour me faire patienter, me tenir compagnie, parce que j'ai bien compris que je devais attendre calmement et en silence. Allez, on dirait qu'il faut que je m'y fasse. Voilà les femmes. Ce sont nos maîtresses, mais ce sont aussi nos maîtres. Elodie. Ah, elle a su se laisser désirer. Si cette fille n'est pas un monstre, alors c'est que c'est un ange, ou alors peut-être un peu dit deux. Allons-nous improviser un pas de deux? Laissons faire la nature, les hormones et les mathématiques. On frappe à la porte de l'amour
comme à celle du radiologue. Déshabillez-vous et patientez-la. Mais moi, je déshabille mon âme depuis plus d'un an. C'était jeudi. Quelle belle journée. Enfin te voir, Élodie. Te parler, t'entendre rire. Rire avec toi, te taquiner. Te découvrir, t'écouter et te toucher, oui. Te toucher. Toi, entre mes mains, ton petit corps qui ne se dérobe pas, juste te toucher et presque t'embrasser. Tu m'as promis un baiser. Mais tu vas sûrement me cuisiner avant pour savoir ce que je recherche, le type de relation. J'en suis persuadé. Eh bien, je vais te répondre, Élodie, que je cherche la femme de ma vie. Mais que je me contenterai à défaut d'une aventure. Entre les deux, il y a de la place pour un peu de bonheur avant que la mort ne vide notre sac à sentiments. Élodie, tu m'as promis un baiser. Un baiser, Élodie, ça n'est pas rien. Un baiser, c'est déjà te tenir serré dans mes bras, toucher tes cheveux, frôler ta peau. C'est mon nez qui touche le tien, mes lèvres qui pressent les tiennes, tes dents, nos langues, la salive. C'est tout ça, un baiser, la tension, le plaisir. Et la peur, la première fois avec toi, après tant de temps, vas-tu honorer cette délicieuse promesse? N'auras-tu pas peur au dernier instant? Et moi, saurais-je? Élodie. C'est déjà demain. Tu étais belle et j'ai souffert de ne pas pouvoir faire plus que t'observer à distance. J'ai cru que tu me méprisais, mais tu t'es approché de tout près, tellement près que tu as décidé que nous irions au cinéma. Je n'ai rien dit. Je n'avais rien à dire. Ton fils me regardait fixement, l'air sérieux. Je suis rentré chez moi les yeux pleins de toi par les petites routes cette nuit, slalomant les virages de forêt. Un gentil crachin m'aspergeait joyeusement. Il faisait presque frais. Vu Élodie, j'étais comme la feuille dans le vent, près du feu et puis près de l'eau, glacé puis bouillant, puis glacé de nouveau. Mais c'était de la joie. Ce crachin farceur, l'automne de la nature, l'été fini, le froid revient, mais Élodie, seras-tu ma copine, ma compagne, mon amoureuse, la femme de ma vie, ou bien une sex friend, une cruelle Barbarella, un vampire sans scrupules? Élodie, avec toi, ce grand huit, les montagnes russes, j'ai le cœur dans la gorge, de quoi sera fait demain? Tu m'avais prêté la clé de ton monde. Si tu me la reprends maintenant, c'est novembre, Cécile. Le soir tombe tôt, désormais. Chacun de notre côté, de ton style. Pas de signe de vie. Mais tu es fatigué. Ok. J'apprends déjà la patience et l'obéissance, deux sciences pour lesquelles je te révèle mon ignorance.
L'autre jour, tu t'es débarrassé de ton ex pour filer venir me voir. Il te pose des questions du genre « Est-ce qu'il y a un homme dans ta vie ?» Et tu lui réponds « Je n'ai encore mis personne dans mon lit. » En fait, tu ne dis pas vraiment non. T'approcher, Cécile, c'est un sacerdoce. Il y a le chemin de croix. Pas si pénible, on a le temps entre deux stations d'admirer le paysage. Il y a de l'animation. Un lion. Mais c'est moi qui suis comme un lion en cage, sauvage. J'enrage. Mais non, bien sage, image. Je ne suis plus pressé. Pas peur du ridicule. J'aime t'attendre. C'est un joli supplice. L'as-tu appris en Chine ? Reste près de moi. Ne repars pas là-bas. J'apprendrai le chinois, je n'ai pas le choix. Sur le bout de tes doigts, sur le bout de tes lèvres, sur la pointe des pieds, sur la corde raide, sans que tu m'aides. Et si je tombe au combat, sur ma tombe, on écrira « Il fut courageux ». Tu m'as vaincu, Cécile, mais c'était sur le fil. Il s'en est fallu d'un cheveu pour un lion, un crin, de ta crinière, bien fournie. Et voilà que pour un peu, je croirais en l'astrologie. J'aime les mails de Marie-Lou. Quand il m'arrive entre chien et loup, mon cœur bat à tout rompre. Chaque fois, je crois que tu veux rompre. C'est un cas critique. Vite, je clique. C'est un bombardement, au moins 200 battements. La plupart du temps, ça se calme. C'est court. Elle me dit bonjour. Plein de sous-entendus, petits points suspendus. Rien de superflu, tout est super, tu n'en rajoutes pas, tu dis juste ce à quoi j'ai droit. Tu joues pas l'incruste. Mais parfois, c'est différent. Et là, c'est du lourd. J'ai, de temps en temps, presque, un message d'amour. Mais j'y crois, moi, balourd. Quand ils sont pleins d'amour, et c'est pas tous les jours, j'aime ouvrir les mails de Marie-Lou qui me dit « Coucou ». Pékin, Bombay, Venise, Rio, quel voyage n'ai-je pas fait avec toi ? Non ! Pas fait. Il faut parler à l'imparfait. Tes projets, j'étais ton jouet. Tu m'as embobiné de Pékin à Bombay, pris pour un idiot de Venise à Rio. Je veux me suspendre à tes poings. Me sustenter à tes seins, succomber à la tentation. Diable Seigneur H, est-il donc vrai qu'au détour d'une idylle, vous auriez lutiné Odile en décor champêtre, ordonné de se repaître de votre dard épais ? Laissez-moi le permettre de remettre le couvert et tourner le cou vers celle qui attise mon vil appétit et me donne les crocs. Odile, avec ses bestioles, faut pas être trop brusque, de peur d'être dévorée, bouffée, elle te mettra en charpie. Le genre de fille qui dit « Encore !» Plus pur style,
omnivore. Odile, je t'écoute. Tu dois me dire ces mots. Odile et moi. Odile et moi aime le mot doux. Est-ce un escroc, Odile? Ouais.